Les summits de Speedon 2021 ont eu lieu en 2021, il n'y a pas eu de Speedon en 2020. Oui, mais ah c'est oui, pour ça, si, non, parce que Gigi a mis Speedon en 2020. Oui, oui, bah oui, oui, non, mais il y a eu le Covid, oui, ça a été annulé deux fois, oui. Bon, les dernières vannes. C'est pour ça en 2021 tu pouvais au summit. Oh, la taupe faire le raid. On change de scène. On change de scène. On change de scène. Oh là là, ouais. Alors, regardez, parce que... Bon, on en a parlé l'autre jour, c'est un clip légendaire qui tourne, hein. Regardez. Le... Voilà, c'est... Il est là, le tube. Voilà. Il est là, le famoso tube, hein. Regardez. Ça, voilà. La webcam en PLS. Je me posais une question l'autre jour. C'est le même tube que celui 2016? Oh, c'est possible. Elle est peut-être périmée, en vrai. Non, elle périmée l'année prochaine. Mars 2023. Incroyable. Énorme. Voilà. Petite vaste. Voilà. Bonjour. Bonjour, bienvenue pour Fort Boyard. Je fais du Norizet. J'ai raté le World Record de pas grand chose. Mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. C'est du Norizet que je fais sur Fort Boyard, donc on s'en fout. C'est pas grave. Et moi j'ai très bien joué, j'étais vraiment en pleine forme. Je pense que le match de la Ligue 1, je pense que c'est le match le plus éclaté de tous les temps que vous avez vu. T'as mais le pire, c'est que c'est la seule fois qu'on va s'affronter de la saison. Oui. Et j'ai niqué le match. Oui. Sage. C'est beau. Bah sauf si tu descends en Ligue 2 avec moi. De ce que j'ai vu, Anti a peut-être une bonne place pour descendre. Ouais, Anti est moyen. Bon, comment ça va la taupe? Vous êtes tous mignons, hein, sachez-le. Tous Mijus. Non, Mijus, il est mignon, arrête. T'es méchant, toi. Alors ça, c'est le jeu le plus dur du jeu. Mais moi, ça va, je le maîtrise un peu. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, si vous connaissez Fort Boyard, c'est un jeu formidable. Animé par Olivier Mine, donc quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Oula, mais juste, tu oublies qui est Modo sur cette chaîne. Ah, donc là, normalement, on a fait le plus dur. Super bonne Gamo. Alors, Gamo, oui, est modérateur ici. C'est pas très avisé de faire ça ici. J'ai un petit clic droit à faire. Ban, purge, delete. Ça fait quoi, purge? Ouais. J'aurais peut-être pu y aller là. J'aurais dû y aller. Et là, on rush. Et là, on rush. Là, voilà. Là, c'est le plaisir. Là, c'est le plaisir. Et on a récupéré la première clé. Il faut 9 clés. Hein, voilà. J'estime que vous ne connaissez pas le jeu, ce qui est normal. Parce que ce jeu-là est un jeu très peu connu, ma foi. Et voilà. Et on s'amuse. Oh, un catapulte dans ce chiant. Pas maintenant un catapulte. Alors, catapulte, c'est un jeu. Voilà, c'est tout à fait réaliste. Donc, voilà. Donc là, c'est une chute qui dure à peu près 5 minutes. Donc, on va se petit suicider. Comme ceci. Histoire de gagner du temps. C'est plus rapide de perdre ce jeu. Sachez-le. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Je guide les casse-cou dans les tracteurs qui rêvent de sous et de Boyard. Et de Boyard. Il y avait une vidéo. J'ai fait en mode Claude François, mais je l'ai fait. Il y avait une vidéo de Passepartout qui chantait du Johnny Hallyday, c'était extraordinaire. Vous savez que vous pouvez louer Passepartout pour une soirée pour 400€. Genre, moi je sais qu'à mon mariage, je vais l'inviter. Oui, alors il y a Gamo pour 4€ qui. Non mais. Tu sais que j'avais dans l'intention d'inviter Passepartout si jamais c'était accepté à louer ça. Énorme. Et du coup, mais tu lui as envoyé un tweet, j'espère. Que... Non, mais je crois qu'on m'avait comprendre que c'était très cher de base, puis ensuite faut le payer, l'hôtel, l'avion, tout. Voilà. Ouais, le plan est compliqué, quoi. Bah, disons que tout le Twitch Rival serait passé dedans. Ouais, voilà. Alors, par contre, Passepartout à Spiton, moi j'ai oui. Hein. Non. Ah bah, là on contacte. Bonjour, Final Kids. C'est toi l'homme le plus sexy de la planète, voyons. Final Kids, un événement important bientôt. Son mariage ?
Albatros. Oui. Non, j'ai eu des leaks, je crois. C'est pas son anniversaire bientôt ? Kiwi. Et quel anniversaire ? C'est ses 20 ans, 18 ans, 18 ans. C'est ses 18 ans. Oh là là, quel homme, il va devenir grand. Oh, Kiwi, je l'ai dès le début. Un petit fripoilu, mais couille aussi, mais bon. Il va pouvoir boire de l'alcool. Oh là là. Quel homme. Et regarder du porno en toute légalité. C'est beau. Final adulto. Est-ce que tu changes ton pseudo sur Twitch ? Là est la question. Essayons de pas rater ce mini-jeu comme un gros caca. Et de pouvoir faire des events. Mais bon, il veut déjà pas rejoindre les tournois, donc les events... J'ai écouté la chanson de Passepartout. c'est un truc de boomer, lui, les tournois. Bordel que à 18 ans. Non, par contre, franchement, Fort Boyard a accepté à Spidon, je contacte Passepartout. Je sors sans déconner, hein. Sans déconner, il vient. Bah les couilles. Tu mets ça, tu mets dans la run de Summit, tu mets une note, si jamais c'est accepté, on invite Passepartout. Je le dis. Je le dis dans la vidéo de Summit, hein. Je dis, je fais tout en œuvre pour inviter Passepartout. Il doit être parisien. Quelqu'un d'aussi connu et d'illustre que Passepartout. Passepartout. Adresse. Bien sûr. Merde. Visiter le Passepartout à Nantes. C'est quoi ? Balade fluviale. Ça a l'air intéressant. Je suis sûr qu'il y a un truc. Putain, j'ai gagné le jeu. Ah, j'ai peut-être pas gagné. Moi, j'ai gagné. Il bosse à la RATP ? Ouais, je crois. Changeons de pseudo, c'est beau. Moi, j'y crois à mort. Franchement, si on fait ça à deux, qu'on fait ça vraiment bien. Moi, j'y crois. Hein. On est obligé de faire ce jeu-là. Normalement, c'est un jeu que tu skips, mais ça fait gagner du temps pour la fin. Normalement, il tombe bientôt là. Voilà. C'est pour ça que ça fait gagner du temps, en vrai. On a gagné les trois jeux de la cage. Oh là là, mais moi je pense tout le temps, à toi pendant que je fais de l'apnée. Pour citer les profils similaires à celui de Passepartout, Sébastien Coé. Hein ? Mais on s'en fout de Coé. Tu pensais à moi en train de faire du CD, de faire énormément d'erreurs dans mes races. Je vois pas le rapport, mais oui. Ouais, je pars à la finale. Ah! Il y a quand même du training, hein. Il y a de l'entraînement à faire. Hein. Putain, il y a Passepartout qui est en train de me défoncer là. Gamo, arrête ça tout de suite là, c'est pas drôle. C'est ton date qu'il faudra défoncer, c'est pas moi. C'est drôle ça. Ouais. Ah, j'ai rigolé. La run elle est goldée. Hein. En termes de pace, c'est goldé. Y'a pas de laverie, y'a pas de safari, les gars, j'ai une pace insane là. Bah, sinon, y'a GG. Avec tous les jeux que t'as, tu peux faire un marathon blind de tous tes jeux. Tous tes jeux de merde que t'as acheté sur DS. Bien sûr. Tu prends un mois de congé, et bien ça sûr. Passe. Bien sûr, je pense que c'est ce qu'il veut en plus. Putain, c'est scripté. C'est quand exactement? C'est samedi prochain, non? De quoi? L'anniversaire de finale. Je sais pas, je sais que c'était plus février. Je crois qu'il a dit la date, mais j'en souviens plus.
On s'en fout en vrai. Samedi prochain. T'as pas que j'oublie hein. Quatre coins de la France. Alors là le pire ça serait de tomber. Ce qui est con c'est que tu peux pas te barrer quand tu veux quoi. Voilà. Mais l'apnée à 8h du mat c'est cool hein. C'est bien. Moi j'aime bien le dimanche matin comme ça. Ça te réveille. Après tu te fais un gros petit déj de bourrin. Et t'as perdu tout ce que t'as fait pendant l'heure. Et ça c'est cool. Il te manque des jeux de merde de la Corse, Yagi. Alors moi la Corse, on va avoir un problème parce que j'ai mal parlé de tout à l'heure. Parce que la Corse c'est le seul endroit que tu peux pas y aller en train. Hein. Checkmate. Outstanding move. Putain les tigres, ils sont tout buggés. Ah c'est cool ça. Stetson, je connais pas. Ouais, t'as l'air de vendre des trucs classe. Ah, je crois que je connais le nom, ouais, justement. Ouais, ça a l'air d'être une marque assez classe en vrai. Au final, on te voit à Speedon. J'annonce. Ah, bah oui, tu seras majeur. Ah, oui. Kira, tu viens aussi. Passe-partout! Oh allez, y a plusieurs casquettes cette zone. C'est une casquette qui ressemble à genre un béret ou une casquette. Si je réussis le premier, je réussis le deuxième. Si je réussis pas le premier. Oh. Oh. Oh, tu viens, Kira. On dormira dans le même lit. Voilà, sache-le parce que. Je te trouvais que ça en sexy. Non! 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 La physique! La physique! Oh, oh coup dur. La physique de ce jeu de merde. Faut qu'on parle vraiment du summit. Je vais essayer de trouver un peu de temps demain parce que je vais pas être trop chez moi à partir de demain. Après c'est jusqu'au 6 février donc ça... Oh putain la pace elle est insane. Oh les gars la pace elle est insane. 6 février ça fait que 10 jours. Ouais. Ouais mais je suis plus trop chez moi. Moi j'ai dit je pense que je jouerai pas. Mais par contre commenter ça me va. Après je jouerai en training éventuellement, hein, y a pas de souci. Mais commenter, je suis carrément chaud. Bon, alors là par contre, ça, je crois que si on se met Isaac, les deux commentateurs sont déjà trouvés. Hein. Et il y en a deux qui font plus de vues que d'autres. Oui, mais bon, je connais, je maîtrise, c'est ça le truc. Ah oui, je dis pas le contraire. Ah, je me concentre parce que ce jeu-là, faut pas que je le rate. Oh putain c'est nul. Je pense que c'est bien. C'est bon, ça le fait. Ça le fait. Sinon j'aurais abandonné mais là ça le fait. Bon ami juste et moi allez on commente. Allez go. Comment refuser de dormir avec moi, c'est ça j'espère hein. Oh la pace elle est insane. On va faire un world record de ouf les gars. C'est un world record c'est sûr. La pace elle est insane. On va avoir le record de 4 minutes. Je pense. À vue de nez là. Ouais. Parce que je vais jamais être prisonnier, les épreuves sont bien, on a pas eu la vrille. La pace elle est insane. Il te reste combien d'épreuves? Zéro. Bah tout zéro, non il me reste les 3 du conseil, mais les 3 du conseil c'est super rapide. Donc voilà, bon bah écoutez. J'espère que vous êtes content, hein. C'est un bon dernier try. Faut juste pas que je me cours sur un 10, c'est tout. Ça serait bien qu'on ait pas les formes géométriques là.
Ah ça c'est bien. Sub 15 ça va être compliqué hein mais... Allez fais pas de la merde là, s'il te plaît va vite, voilà fais-en une, fais-la bien et puis après tu bois. Voilà, c'est bon tu gagnes, allez. Allez bon là on est obligé d'attendre, c'est un peu chiant mais... Ah, ils sont vénères, en héroïque ils sont vénères. Ouh. 16 à 3, quel match. Sub 16 ça serait cool, y'a moyen. Pas de forme. Ouais ça c'est bien. Mais il a tiré qu'une fléchette. Ouais. Avec une arbalète, une vraie. Le point c'est vert, hein. Donc faut pas que je mette vert là. Voilà, donc là on perd le plus vite possible. Pas les formes. Hein. Pas les formes. Si c'est pas les formes, c'est sub 16. C'est pas les formes. Putain, la pace elle est insane. C'est imbattable. Et pour Shigan, allez, allez. Oh, y'a ce que je t'ai mis dans le leaderboard, mon gars. Oh, tu vas rien pouvoir faire là. Po. Il a même pas de temps, Niage en héroïque. Non? Ah non, c'est en hard qu'il a un temps. C'est en hard, ouais. Oh, le coup dur. Ça peut sub 15-30. Grand, petit, yeux, bleu, hématome, sang. Sang? Je sais pas. Bleu, cordon bleu, bien sûr. Et oui, bien sûr, putain. Bon, c'était pas sub 15-30, mais par contre, le temps il va être insane. Hein. On va avoir le record de 5 minutes quasiment. Hein. 15-39. Non, vas-y, on joue, faut valider la run. Faut avoir 3 in boyard. Croy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 o